notre cher président, le professeur Bakonde, au Japon, Tokyo. Comme vous le savez, le président de la République, chaque fois, fait des pas. Et chaque fois, il fait des victoires. Aujourd'hui, il a visité la troisième puissance économique du monde avec des rencontres de haut niveau. Le président de la République, le professeur Bakonde, a d'abord rencontré les investisseurs japonais. Comme vous le savez, les investisseurs japonais ont salué la présence du président Kiyen en tant que premier président en visite officielle au Japon depuis l'indépendance de la République. Donc, ça c'est extrêmement important. Les Japonais ont apporté beaucoup de prix à ça et beaucoup d'importance à ça. Si vous avez vu dans les images, dans presque toutes les rues de Tokyo, le drapeau guinéen flottait. C'est pour vous dire l'importance été accordé à cette visite. Malgré ce que raconte le directeur, le professeur Bakonde fait son chemin. Pourquoi dans cette visite? La rencontre des investisseurs permet quand même de mobiliser un grand nombre d'investisseurs vers la Guinée, vers notre pays. Parce que il faut diversifier les rencontres, il faut diversifier les rapports. Hier, nous étions en Chine, aujourd'hui, nous sommes au Japon. Nous n'allons pas rester de ce côté. Nous avons besoin aussi des investisseurs japonais pour développer notre pays. Il faut multiplier, diversifier et amener la croissance dans notre pays. C'est à ce prix seulement que nous pouvons réduire considérablement le chômage, chasser la pauvreté dans notre pays. Donc, c'est à cela que le professeur Bakonde s'est appelé. Et c'est cette tâche qu'il est en train d'effectuer à travers le monde. Que l'on sache que ce n'est pas pour les promenades inutiles de retomber. Vous les verrez dans les prochains jours. Donc, il a rencontré aussi le premier ministre japonais qui vraiment vous a rassuré. Et il a demandé au premier ministre japonais de venir en Guinée. Et cette invitation a été acceptée par le premier ministre. Donc, les dates et les modalités seront fixées par voie diplomatique. Enfin, pour couronner sa visite, le président a été reçu au prestigieux palais impérial de Tokyo, où il a rencontré l'empereur Akihito. Vous savez, c'est un homme de parole. L'empereur Akihito, le monde le connaît. Alors, cet empereur a rencontré le professeur Bakonde. Il a reçu aussi l'assurance de cette plus haute autorité nippone d'appuyer la Guinée dans son élan de développement. Si l'empereur s'engage, je vous assure que le Japon s'est engagé. Ce qui veut dire que nous sommes rassurés du côté japonais pour avoir sur le territoire guinéen des grands investisseurs qui vont booster notre économie pour le développement de notre pays dans l'intérêt de tous les Guinéens, pas seulement de l'industrie financière, mais de tous les Guinéens. Je vous remercie.